Bonjour à toutes et à tous, je suis Tim de Space News. En complément des nouveautés que j'ai déjà présentées pour l'année 2024, les webinaires sur Zoom, les cours de méditation holographique, voici un atelier innovant d'orientation extraterrestre qui vous propose de découvrir vos capacités humaines cachées ou oubliées et d'obtenir des informations indispensables pour communiquer avec nos voisins de l'espace. L'atelier numéro 1 est dédié au développement de nos capacités télépathiques innées et oubliées. Les lignées extraterrestres sont quasiment toutes hautement télépathiques. Certaines n'ont plus de système de communication traditionnel, à l'écrit ou à l'oral, voire quelquefois, ils n'ont même plus de cordes vocales. Développer la télépathie est donc l'une des clés cruciales pour communiquer avec eux. L'atelier de télépathie holographique a donc lieu tous les jeudis à 20h15, du jeudi 11 janvier au jeudi 28 mars 2024. Atelier 1, la présentation de mes contacts stellaires et leur télépathie. L'atelier 2, la différence entre la télépathie mentale et la télépathie holographique. L'atelier 3, la télépathie synthétique, son origine, son fonctionnement, ses cibles, ses objectifs. L'atelier numéro 4, comment créer sa bulle fréquentielle de protection. Atelier numéro 5, se préparer à la communication holographique. Donc ce sont des exercices pratiques. Atelier numéro 6, la claircognizance. L'atelier numéro 7, la clairvoyance. Le 8, la clairaudience. Le 9, la clairsentience. Le 10, la clairgustance et la clairalliance. 11, la précognition. Et 12, la lecture d'aura. Ce sont des ateliers proposant une partie succincte théorique et beaucoup de pratiques. Pour vous inscrire à l'un ou l'autre atelier, il vous suffit de vous rendre dans ma boutique sur https://teamspacenews.boutique et de cliquer sur l'onglet Atelier, puis ensuite sur l'atelier qui vous intéresse. Voilà, j'espère vous accueillir nombreuses et nombreux à ces ateliers qui risquent d'être extrêmement innovants et intéressants avec des informations que vous ne connaissez pas encore et que je n'ai jamais partagées auparavant. En attendant, portez-vous bien !